fait, Omorori, voulez-vous prendre Desmond Olaniye comme votre unique époux, dans le bonheur et la souffrance, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, Desmond, vous pouvez maintenant prendre la bague. Desmond Olaniye, voulez-vous prendre Feth Omodoye en tant que votre épouse bien-aimée, dans le bonheur et dans la souffrance, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Église. Par l'autorité que j'ai reçue du Dieu Tout-Puissant, je vous déclare officiellement mari et femme. Embrassez votre épouse. Eh bien, la famille et les amis, je vous présente maintenant le nouveau couple dans la cité, Monsieur et Madame Desmond Omoroi. Viens mon bébé. Je le sais. Tu es très belle mon cœur. Désolé. Arrête. Quoi, arrête. Vas-y, oui. Attends, tu m'auras pour toute la vie. Entre-temps, j'ai un petit blanc. Attends, tu m'attends là, ne bouge pas. Je reviens. Je vais prendre une douche. Ok, mon bébé. Et je te reviens tout de suite. Je peux pas attendre, bébé. Ne bouge pas, je vas-y, reviens. Mon cœur. Vas-y, reviens. Je reviens. Je ne bouge pas, je arrive. T'attends, s'il te plaît. Ça, oh, c'est ma femme. Bébé. Une minute, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ignore pourquoi il ne veut pas se lever. Je veux dire, j'ai tout ici. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas pourquoi ça ne se lève pas. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. C'est juste là, comme ça. C'est quoi ça? Bon travail, monsieur. Tu as juste réussi à ruiner cette soirée. Oh, chérie, mais tu sais que ce n'est pas moi. Mais chérie, peut-être c'est le stress, ce n'est pas moi. Mais je veux dire, c'est pas... Oh,
Ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que tu me caches quelque chose? Mais mon cœur, je voulais le faire avec toi ce soir. Peut-être c'est le travail, tu vois, les activités, je ne sais pas, c'est le stress. Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons nous coucher, nous reposer et peut-être, je ne sais pas. Attends, est-ce que tu as de l'eau avec toi? Ok. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Oh, baby, calme-toi, c'est juste le stress, ok? Ça va se relever, calme-toi, c'est juste le stress, ça va aller. Mais Cécile, cela ne m'est jamais arrivé avant. Attends, c'est une première fois. Calme-toi, ça va aller. Oh. Ah, je crois que c'est le stress. On doit juste se reposer et tout ira bien, ok? Bon, c'est bon. S'il te plaît, essaye d'appeler qu'on nous apporte de l'eau. Mon cœur, ça va aller, ok? Ah. Oh. Va prendre ça toi-même. Ça ne se lève pas. Regardez les gars, ouais, vas-y. Écoutez, regardez, j'ai rencontré une fille, la fille est sexy, un paquet complet comme ça. Tu veux dire qu'elle était belle comme ça, hein? La bonne vient. Ah mon gars. J'ai pris la chambre pour quelques heures, je lui ai donné ma carte. Bien sûr, je te crois. Oui, oh. Le lendemain, elle m'a appelé pour qu'on se voit encore. Mon gars, je te fais confiance, mon gars. Ouais, j'ai confiance. Tu es un gars bien méchant. Tu connais, non? Hein, ok. Desmond. Mon frère. Oh. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, les gars. Non, non, ça va, ça va. En tout cas, la santé, les gars. Ben, vas-y. Ok. Bon, les gars, je crois que nous allons nous voir plus tard, ok? Juste comme ça. Hé, hey, bro, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi! Viens, non, c'est quoi le problème? You're everything, and you've been treating me like a king, yeah. But I've been late to you anyhow. Even if you say you no go fit, leave me. Until you packed your bags and left the keys, without a note, without a kiss. I've been missing you lately. I didn't find them hard to sleep, baby, lately. Nothing is the same without my baby, lady. I wish I could see you, baby, lately. To tell you, say, I don't change, baby, lately. Nothing is the same without my lady. Nothing is the same without you, yeah, yeah. Baby, tell me how we go be. If I need it in America, I'm sorry, oh, yeah, yeah. Baby, tell me how we go be. Jerry, come here. Ici. Patron, bonne arrivée. Bonjour, patron. Bonne arrivée, patron. Bonsoir, bonjour. Mais c'est quoi ça, hein? Tu me laisses dehors pendant 30 minutes. C'est quoi ça? Patron, s'il te plaît, faut pas te fâcher. J'étais aux toilettes. Tu étais aux toilettes? Non, je chargeais mon téléphone aussi. Tu chargeais ton téléphone? Oui, patron. Je faisais quelque chose à l'intérieur. Tu faisais quelque chose à l'intérieur? Que faisais-tu? Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Bonne arrivée, monsieur. Bonne arrivée. Te gêne pas. Va là-bas. Bébé. Salut, tu es déjà de retour. Bonne arrivée. Je vais bien et ta journée. Bien. Ah. Je t'ai appelé plusieurs fois aujourd'hui, t'as pas répondu. Mm-hmm. Tout va bien? Oui, c'est bon. Désolé, j'étais au salon de coiffure. Raison pour laquelle je t'ai pas répondu. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Pourquoi tu ne vas pas te rafraîchir à l'intérieur?
puisque tu as eu une grosse journée. D'accord. Ok. B, t'es sûr que tu veux pas venir à l'intérieur? B? Bébé, tu ne viens pas? Chérie, il faut te coucher. Oui. Non, pas encore. C'est un travail là, du bureau là. Je dois terminer ça pour demain. Non, c'est très important. Je dois terminer ça avant demain. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es comme ça? Je termine ça rapidement, d'accord? Hein? Oui, juste. Juste quelques minutes. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Pourquoi tu fais semblant? Desmond, tu me prends même pour quoi? Hein? Est-ce que je ressemble à un morceau de bois? Hein? Tu me prends pour une décoration ou bien, non. S'il te plaît, faut venir te coucher, viens te coucher. Coucher, viens te coucher. B, s'il te plaît, j'arrive, hein, ok. Je suis déjà fatiguée de tout ceci. Ce n'est pas ceci qui est important maintenant. Tu fais ça constamment. Arrête de crier, puis écoute-moi. Bé, je t'aime, hein. Bébé, que je travaille comme tu le vois pour nous, hein. Toujours le travail, le travail, le travail. Oh. J'ai juste besoin d'une seule chose. Je veux une seule chose. Je m'en fous de l'argent. Je m'en fous de tout ce que tu peux me donner. Il n'y a qu'une seule chose qui me préoccupe. Arrête ça maintenant. Regarde ce que tu as fait. Maintenant, je dois répondre depuis le début. Arrête hein. Ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es en train de me rendre folle, Desmond. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ceci. Tu es constamment en train de répéter les mêmes choses. Je n'ai pas signé pour ça. C'est quoi tout ça? Pourquoi tu me fais ça? Combien de femmes peuvent accepter cette situation, Desmond? Pourquoi tu me fais ça? Bébé, je suis prête pour toi, s'il te plaît. Je deviens déjà folle. S'il te plaît, arrête ça. Je te veux, je suis malade et fatiguée de me toucher toutes les nuits. Desmond, si ça continue, alors nous allons devoir passer à une autre étape. Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé. Peut-être ça marchera mieux que tu ne l'as jamais fait. Ça, c'est très bon. Ça sera encore mieux si c'est préparé par une très belle fille comme toi. Moi, c'est Paul. Voyons, je veux juste savoir ton nom. C'est juste courtois.
Cela n'est pas nécessaire, monsieur, peu importe votre nom. Excuse-moi. C'est comment? C'est arrivé là. Je veux dire, je suis rentré dans ton bureau, tu ne m'as pas remarqué. C'est comment? Tu as quel niveau avec le plan de travail? Juste quelques détails à ajouter. Je devrais terminer d'ici la fin de la soirée. Je ne te comprends plus sincèrement. Qu'est-ce qui te tourmente? Ces jours, si tu es bizarre, c'est quoi le problème? J'ai beaucoup de choses dans ma tête actuellement, ok? Mais c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Sens-toi libre, mon ami. Allons passer un peu de temps ensemble et tu pourras me parler. Fais-moi confiance. Allons-y. Ok. Salut ma belle. Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? On se croise encore? Merci de vous préoccuper, ma voiture vient juste d'avoir une panne. D'accord, monte et essaie de démarrer, je vais voir. C'est bon, tu peux éteindre. La ceinture de ton radiateur est en faute. C'est pour ça que ça Es-tu chauffe. Es-tu sérieux? Ah oui, hein. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un rendez-vous à 14h. Il est déjà 13h. Ah. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Je vais te déposer à ton rendez-vous. Appeler mon mécanicien pour qu'il puisse réparer la voiture. Et je vais te le ramener plus tard. D'accord, laisse-moi prendre mon sac. Vas-y. T'inquiète pas pour ça, c'est en sécurité. Viens juste te plaît.
c'est Paul. Je suis ingénieur informatique. Je travaille pour une grande entreprise d'informatique à Londres. Je suis là actuellement pour un de nos clients. D'accord. Mon nom, c'est Faith Desmond. Je gère des affaires en ligne depuis la maison. Okay. Puis-je avoir ton numéro? D'accord. Okay. Voilà. Tiens. D'accord. Alors, comment pourrais-je récupérer ma voiture? Ça, t'inquiète. Aie confiance, je vais t'appeler plus tard. Okay. D'accord, voilà mon numéro. Je l'ai enregistré sous Faith Desmond. Ok. Merci beaucoup. Oh mon frère, arrête ça, pardon, je ne te crois pas. Desmond, le destructeur, le tueur. Arrête ça, pardon. Mec, je suis sérieux là. Je suis sérieux. Mais tu crois que depuis le mariage, ton gars n'a jamais. Hein? Hein? À chaque fois que j'essaie d'aller, ça tombe. Regarde, les aphrodisiaques, le Viagra, rien. Rien ne marche. Rien, hein? Rien ne marche, mon gars. Prends ça. Elle ne m'aide d'aucune aide, l'enfant là. Elle me complique la tâche, quoi. Imagine, ta femme utilise le même vibrateur chaque nuit. Que je fasse comment? C'est le vibrateur qui mange ta viande comme ça. Hein? Pourquoi t'es jamais eu sur le toit? Calme-toi. Hein? Regarde, mon gars, ce n'est rien. Crois-moi, ce n'est pas un problème. Serveur, détends-toi. Oh, ma voiture est de retour. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Je l'ai profité pour l'amener au laver pour le nettoyer. Oh, vraiment? Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Combien je vous dois? Oublie ça. Disons que c'est mon petit cadeau pour toi. Merci de m'avoir laissé laver ta voiture. D'accord. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Il n'y aura rien. Ça te dirait de venir prendre un verre à l'intérieur? Ok. Ça ne sera pas une mauvaise idée. Bien. Qui pourrait dire non à une aussi jolie femme comme toi? Juste un seul verre. Chauffe. D'accord. Merci beaucoup. Tu as une belle maison. Merci. Entre, s'il te plaît. Sois la bienvenue chez moi. Wow. Mets-toi à l'aise. Donne-moi une minute. Tu as une très belle maison. Ah, assois-toi. J'arrive. J'arrive. Vraiment, tu es toujours non, debout? Non, juste, c'est... Oh, wow! Tiens. Hey. Tiens. Ça, c'est mon préféré. Vraiment? 10 ans de plus. Hein. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Crois-moi, tu viens de faire ma vraiment? Vie. Vraiment? Hey, arrête ça. Nous devons... Ah oui, évidemment. Oui, tostons à un nouveau début. Moi, nouveau départ. Moi, je vais arranger ma voiture. Ok, moi aussi, c'est mon préféré. J'aime bien le vin rouge. Je vois ça. Alors, je... Tu as une très belle maison, hein?
Oh, merci beaucoup. Bon, voici ma maison. Je t'ai dit que je travaillais. Je vois ça. Mais je pense que c'est assez ennuyeux pour moi. Non, c'est pas ennuyeux. Bébé. Salut bébé, tu es rentré? Oui, je suis là. Bonne arrivée. Comment vas-tu? Bien. J'ai pensé à toi toute la journée. Arrête. C'est quoi le problème? Va te débarbouiller, je vais mettre la table pour le dîner. Allez, viens. Je suis toujours frais, hein. Et j'arrête pas de penser à toi. Toute la journée. D'accord. Arrête. J'ai dit d'arrêter. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je ne veux pas que tu me mettes dans le feu de l'action et puis après tu me laisses en chute. S'il te plaît, excuse-moi, le dîner sera bien. Seigneur. Monsieur Desmond, tous les résultats que nous avons faits montrent que vous n'avez aucun problème. Tout ce que nous avons fait comme scan, tout était négatif. Mais les tests approfondis, vous êtes en parfaite condition hormonale. Vous vous portez très bien, monsieur. Ok, madame. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi à chaque fois que j'essaie de faire l'amour avec ma femme, ça se lève pas? J'aimerais penser que ceci est un problème psychologique. En passant, avez-vous des petites incompréhensions ou malentendus avec votre femme? Cela peut être dû au stress aussi. Non, je pense pas. Je travaille depuis et j'ai toujours eu des relations sexuelles avec ma femme en fait. Avant le mariage,
Tout ceci a commencé la veille du mariage. Ah. Ok. Voici ce que je ferai pour vous, monsieur Desmond. Je vais vous orienter, je suis un psychologue. Ok, parce que je crois que ceci est un problème psychologique. Vous aurez juste à l'appeler. Ok. Je vais vous fixer un rendez-vous avec lui. Vous aurez juste à l'appeler. Ne vous en faites pas, vous allez très bien. Tout ira bien. Merci, docteur. Merci vraiment. Okay. Passez une bonne journée, monsieur. Oui, merci. Donc voilà. Je vois. Hein. Mais c'est bien. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je crois que tout est bon. Hein. Cool. Cependant, comment était la visite chez le docteur? Mec, même chose. Hein. Le docteur n'a rien trouvé. Il dit qu'il n'a rien d'anormal chez moi. Mais toujours rien, hein? Ça se lève pas. Calme-toi, ok? Ne prends pas ça trop à cœur. Le docteur a dit qu'il n'y a rien d'anormal chez toi, donc ne t'inquiète pas pour ça. Cependant, il y a aussi les médicaments traditionnels qui marchent bien. Gars, tu as encore su ça? Médicaments traditionnels? Oui. Si tu dis que c'est bon, allons. Oublie ça. Je te dis que ça marche très bien. Tu te rappelles du papy de 75 ans, le monsieur avec qui on a travaillé ensemble l'année passée. Il est marié à une fille de 20 ans. Mon frère, elle est enceinte. Elle est enceinte. Le truc marche bien, je te dis. Je suis sérieux. Les herbes. Il n'y a pas de mal à essayer, n'est-ce pas? Tu dois essayer. Essaye, fais-moi confiance. J'ai pas besoin que ça fonctionne pendant une heure. Deux minutes, ça me suffit. Deux. Non, tu ne peux pas. Tu comprends pas, mec. Je comprends, moi-même, je ne peux pas tenir deux minutes. Regarde, quand tu auras fini avec elle, elle va te remercier. Tu me connais, non? Je ne suggère pas n'importe quoi. Quand tu auras fini avec ta femme, elle va te respecter. Essaye. Ne t'inquiète pas, essaye. Tu vas me remercier, tu me connais. Non? Allô, ma belle. Faites, s'il te plaît. C'est parce que tu es si, si belle. Merci pour les compliments de toutes les façons. Je t'en prie. Alors, tu es où? Je suis à la maison. Je viens juste de finir de faire mes commandes. Je suis aussi à la maison. Merci pour hier soir. Nous avons passé un très bon moment tous les deux. Tu sais quoi? Et si on se voyait demain pour une sortie tous les deux? Rappelle-toi que je suis mariée. Bien sûr que je le sais. Je vais rien faire. D'accord. Merci. Je passerai te chercher. D'accord. Bien. Au revoir, man. Au revoir, man.
Bye. D'accord. Qu'est-ce que je faisais même? Salut chérie. Salut, bonne arrivée. Oh, waouh. Je l'ai choisi pour toi. Tout ça pour moi? Oui, oui. Merci. Oh, merci beaucoup chérie, merci. Oh, t'inquiète. B? J'ai une urgence au travail et on doit voyager demain. Désolé. Vraiment? Oui, oui. Comme je te l'ai dit, j'ai une urgence et je dois y être sur place pour pouvoir m'assurer que tout va bien. Tu es en train de voyager et c'est maintenant que tu m'informes? Je suis désolé, chérie. C'est venu à l'improviste, tu vois. C'est pas de ma faute, tu vois. Je dois y être. Je dois y être, c'est tout. Ça va. Tu peux partir. Bon voyage. Bébé, voyons en toi aussi. Faut t'entendre, mais... Ah, le boulot. Tu vas me manquer, ma chérie. D'accord. Mais je serai là bientôt. Prends soin de toi, d'accord? Ne vas-tu pas attendre? Non, le chauffeur est déjà là, je crois, tu vois. Allez. D'accord, je t'accompagne à la porte. Tu es magnifique, mignonne, charmante. Hey. Bon retour. C'est juste que... Pouvons-nous? Bien sûr. Après toi. Non, après toi. Ici, c'est ma maison. Peu importe. Wow. En vrai, tu as trop un beau sourire. Sérieusement, ne le change jamais, d'accord? Merci. Alors, dis-moi, quels sont tes rêves? Waouh, cette question. J'ai toujours voulu être styliste modéliste. Ah, c'est vraiment bien. Hein? Merci. Selon moi, tu devrais être même mannequin. Ok. Merci. Tu es magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est mon mari. Il quitte la ville.
Il va en mission pour une réunion. Comme d'habitude, je serai toute seule. Oh, vraiment. Alors, et si je te montrais un coin en ville, un très joli maquis que j'ai hâte de te présenter, le meilleur avec du poisson et du vin. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Ça a l'air vraiment beau, mais... Non, pas de mais. Crois-moi. Sœur... Quoi? De quoi il s'agissait? La manière qu'elle me regarde, je pense, elle-même. Hein? Oh, pardon, tu te prends la tête. Pourquoi? Ne suis-je pas beau? Je ne pense pas. C'est vrai, cette chanson fait bouger. Tu t'amuses? Non, c'est normal. J'aime bien la chanson. Barman. Je suis désolée. Thank you.
Voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je nue? Pourquoi je suis déshabillée? C'est ce que les adultes font. Et c'était bien. Quoi? Tu as couché avec moi? Comment oses-tu? Toi, monstre, comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Je suis une femme mariée, comment tu as pu me faire ça? Tu vas payer. Quitte de là. Tu vas payer cher pour ce que tu m'as fait. Attends de voir, sale monstre, imbécile, idiot. Quitte de là. Oh, comment j'ai pu me retrouver dans ça? Comment tu as osé? Paul, tu es mauvais.
S'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. Oui. Excusez-moi. Oui, vous. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Attends, je vais écouter ce qu'il a à dire. Excusez-moi de prendre un peu votre temps. Oui. Il y a quelque chose que Dieu me révèle vous concernant. Eh bien, l'Éternel me dit que quelque chose s'est passé lors de votre mariage et cette chose-là affecte votre vie maritale. Eh bien, qui est Hélène? Ok, Hélène, c'était ma copine. On a rompu quelques semaines avant mon mariage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hélène est vraiment très en colère contre toi. Et elle a fait le vœu que tu ne coucheras jamais avec ta femme. Elle allait signer des pactes avec des fétiches de telle sorte que chaque fois que tu voudras coucher avec ta femme, ton sexe tombera. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Et il va te sauver aujourd'hui. Amen. Mon frère, si tu le veux bien, nous pouvons élever une prière. Pas de souci. Ok, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, je remets ton enfant entre tes mains. Regarde sa situation, regarde son couple. Regarde comment sa femme souffre. Ils souffrent dans leur foyer parce que l'ennemi veut les déranger. Oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, regarde tes enfants, sors-le de cette misère. Sors-le de cette souffrance qui puisse se reproduire avec sa femme, qu'il n'ait aucun blocage. Père, je brise les blocages par la force de ton Saint-Esprit. Je brise tout ce que l'ennemi a planifié contre eux, tout ce que l'ennemi est en train de faire dans leur vie, qu'ils puissent connaître le bonheur du mariage, qu'ils puissent savourer leur mariage. Assiste-les, c'est ton enfant. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon fils, tu es libre. Dieu a combattu pour toi. Merci beaucoup, Père. Attendez, attendez. Non, ne t'en fais pas. Dieu a tout fait déjà. Mais pasteur, bon, je voudrais faire quelque chose. Pasteur. Bon. Ah, mon frère, il dit que c'est bon. Donc, c'est bon. Dieu a déjà combattu. C'est bon. Allons, allons, allons seulement. Allons dedans. Merci pour la mise à jour. Tu sais, nous n'avons pas de temps. Concernant les autres détails, je t'enverrai cela après, d'accord? Oh, bébé, tu es rentré. Yes. Bonne arrivée.
Bébé? Chérie? Bien dormi? J'ai fait le petit déjeuner. Bonjour chérie, oh que c'est beau. Alors, comment était l'année? Oh, très bien. J'ai vraiment aimé. Comment? Ouais, je l'ai fait pour toi, bébé. Chérie, as-tu trouvé oui, chérie. Quelque chose? Non, pas encore. Mais je crois que c'est là. Ça doit être par ici. D'accord. Laisse-moi compléter avec du vin rouge alors. Ok. Du bon vin rouge. Bien, bien. Chérie, allons-y. Attends, je veux prendre quelque chose là. Hein? Chérie, allons-nous-en. Chérie, allons-nous-en. Nous pouvons regarder ça dans la prochaine boutique. Relax, chérie. D'accord. Je crois que ceci est bon. Alors ça, c'est un très bon choix de vin que vous faites là. Sérieux? Mm-hmm. Je t'ai dit. Oui, salut. Mon nom c'est Paul. Desmond. C'est un plaisir, enchanté. Plaisir partagé. Chérie, une bouteille de plus, hein. Tu vas aimer ça, je te dis. Tu vas bien? Tout va bien? Oui chérie, est-ce qu'on peut partir maintenant, s'il te plaît? Attends. Chérie, allons-nous-en, allons-nous-en. Allons-y, okay, oh, s'il te plaît. Ok, allons-y. Voici le chemin, on paie par là. Tu es sûr que tout va bien? Ça va? Oui, je vais bien. Mon cœur? Alors, mais pourquoi est-ce que tu me mets la pression? Que veux-tu? Quel s'il y a encore cette fois-ci? Que veux-tu? Pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi m'écris-tu? Pourquoi tu fais ça? Je suis une femme mariée. As-tu vu le message que je t'ai envoyé sur WhatsApp? De vérifier mon WhatsApp. Check. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Toi le bâtard. Allô? C'est quoi ça? Tu m'as filmé? Maintenant écoute-moi. Rencontre-moi à 13h. Et ne me tente pas. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu chanter? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Espèce d'enfoiré. Bébé. Quoi le problème? On t'entend crier depuis la chambre. Tu es sûr que tout va bien? Oh. Non, désolé chérie. C'est mon client. Non, mon livret. Oh. Non, mon fournisseur, il a manqué des livraisons et les clients sont fâchés. Excuse-moi. Hé chérie, attends, viens.
Qu'est-ce qu'il y a? Il est minuit, pour l'amour de Dieu. Tu m'appelles pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? Bébé. Quoi? Écoute. Je vais te le répéter pour la dernière fois. N'appelle plus mon numéro. Ne m'appelle plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, chérie. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sors aujourd'hui à 7h? Oh. Je suis désolée, c'est juste un client insatisfait. Un client? À 7h? Désolée, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas... Allez, éteins ton téléphone. Allons nous coucher. Allons nous coucher, chérie. Mon gars, sûr. Tu fais le malin parce que tu l'as bien chicoté. Je sais. Je t'avais bien dit. Tu vois, maintenant c'est rempli. Joe, attends. Il y a quelque chose qui se passe là. Regarde, oublie tout ce que je t'ai dit là. Donc, je commence à me rappeler de certains trucs depuis notre dernier voyage là. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, elle me fatigue, je te dis. Elle prend des appels à n'importe quelle heure et puis elle dure longtemps au téléphone avec je ne sais qui. La nuit dernière même, regarde, elle sort du lit au milieu de la nuit pour aller prendre un téléphone. Maintenant, je lui demande c'est qui. Elle me dit c'est client. Un client. À 2h du matin. À 2h du matin. Tu es sûr qu'il n'y a pas, tu sais pas. Joe, c'est pas la blague. Je suis sérieux, non. Je ne sais pourquoi pas. Pourquoi agit-elle ainsi? Et puis, la dernière fois qu'on était au marché avec ma femme, on essayait de prendre quelque chose. Dans les rayons de vin, il y a un gars qui m'approche, un gars étrange. Il m'approche comme si on se connaissait. Il commence à échanger avec moi, il me dit que ouais, ma bouteille est bonne, tu vois. Et en ce moment, ma femme ne se sentait pas bien. D'ailleurs, il m'a tendu la main, disant que lui, il s'appelle Paul. Attends. Paul, ce nom me dit quelque chose. Attends, okay. J'ai reçu quelque chose de lui hier, je crois. Voilà. Voilà. C'est Paul. Paul. Tu as vu? Une clé. On doit tirer ça au clair, franchement. Je vais prendre des palettes pour un con, tu vois. Je ne sais pas si tu dois au moins vérifier. Tu crois? Regarde juste. Ben c'est vide. C'est vide. C'est vide. Toi-même regarde. L'as-tu bien vérifié? Je te dis que c'est vide. Et si on peut de vérifier cela, hein? Que se passe-t-il? Attends. Suspectes-tu quelque chose? Mec, j'aime ma femme. Et je veux la croire, d'accord? Mais la réalité s'impose.
Qu'est-ce que tu fais ici? Ne m'offres-tu pas à boire ou bien ne m'invites-tu pas à m'asseoir? Une boisson. Une place assise. Qu'est-ce que c'est? Tu joues à quoi? Pourquoi tu me tourmentes? Je t'ai dit que je suis une femme mariée. Pourquoi veux-tu ruiner mon mariage? Sors de chez moi, quitte ma maison. Mon cœur, je t'aime, je veux que tu sois ma femme, la mienne à moi seul. Tu es un malade mental, tu l'es vraiment. S'il te plaît, quitte ma maison. Rencontre-moi à cette adresse. Elle arrive. Bonjour. Tout ce dont vous avez besoin. C'est bon? C'est un plaisir de faire les affaires, oui, avec vous. Oui, moi pareil. Ok, bonne okay. journée. Bonne journée. Quoi? Regarde ça. Ce n'est pas croyable. Oh, donc c'est son plan ici. Oh. Mais attends, pourquoi? Bon, mon gars, écoute, ceci se complique déjà trop. Hein? Nous devons parler à la police. Oui. Pense-y, il faut le faire, s'il te plaît. T'inquiète, bro, je m'occupe d'eux. Ils vont payer jusqu'au dernier centime ce qu'ils m'ont fait. Que me veux-tu, monstrueux violeur que tu sois? Pourquoi cherches-tu à ruiner mon mariage?
c'est simple. Je te veux toi. Toi pour moi. Dans tes rêves, tu deviens fou. Tu es un gros psychopathe. Si tu penses que je vais laisser mon mari pour toi, mais tu deviens fou, tu es malade. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mille et une femmes là-dedans avec qui tu veux faire ce que tu veux. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis mariée. Combien de fois vais-je te dire que je suis mariée? Je suis mariée. Je t'ai choisi toi. Et personne d'autre. Même pas dans tes rêves. C'est toi. Reste loin de moi. Personne d'autre. Reste loin de moi. C'est toi. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Laisse-moi partir. Non, arrête ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non. J'ai dit toi. Enlève tes pattes de ma femme. Enfoiré. Prends ça. S'il te plaît, arrête. Tu vas le tuer. Arrête. S'il te plaît, arrête. Tu vas le tuer. Arrête. Merci pour le travail que tu as fait. Regarde ta descente. Pourtant, je t'avais prévenu que si tu me tournes le dos, ça irait mal. Mais tu l'as quand même fait. Alors que je t'ai averti plusieurs fois que tu faisais une énorme erreur. Bébé, qui est-elle et qu'est-ce qu'elle nous veut? Ferme ta bouche! Tu as volé mon homme et tu as l'audace de venir me parler? On s'était pourtant promis qu'on allait passer notre vie ensemble et pour toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as abandonné pour elle? Pour cette pute? Hé, Hélène! Laisse ma femme en dehors de ça. Ferme ta bouche! Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Je t'ai dit que ça n'allait pas marcher entre toi et moi. Je t'ai demandé de la fermer. Ça n'allait pas marcher entre toi et moi. Tu le savais. Je te l'ai dit. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ferme ta bouche! Tu vois tout ça? J'ai tout planifié. Quoi? C'est moi qui l'ai engagé pour coucher avec ta femme. Non. À cause de ta faiblesse. Parce que je voulais te voir souffrir. Tu es démoniaque. Je te le jure, tu vas payer vous deux. Vous deux, vous allez me le payer. Je le jure par Dieu. Toi et lui, vous allez le payer. On parle Dieu. Ferme ta bouche. Vous allez me le payer. C'est trop tard. Parce que je vais tirer sur vous deux. Oh. Arrête. Qui veut commencer? À l'aide. Chérie, s'il te plaît, fais quelque chose. Personne ne t'écoute. Arrête ça. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Laisse-nous partir. Laisse-nous Pourquoi partir. Pourquoi t'es si peur? Qu'est-ce qu'on t'a fait? À l'aide. Laisse-moi partir. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, ne t'y pas. Pardon, ne t'y pas. Tissez-moi. S'il te plaît. Tissez-moi. Ne bougez plus. Arrêtez. Allez, passez-moi vos mains. Je vais vous menotter maintenant. Allez, donnez-moi vos mains. Levez-vous, avancez ici. Brigands, on va vous arrêter maintenant. Vous êtes des brigands. Vous êtes en état d'arrestation. Avancez.
avancez là-bas. Ça fait 2 semaines déjà que cet incident s'est passé. Et les choses ne vont plus bien dans ce mariage. Tu m'accuses d'avoir couché avec un étranger, sans toutefois reconnaître le rôle que tu as joué dans tout ça. Je suis juste un dégât collatéral. Dans tout ceci, j'ai été violée. J'ai été violée, je suis une victime. Mais tu ne vois pas ça de cet œil. Tu t'es retournée contre moi. Et tu me traites comme si j'allais coucher avec tous les hommes de la ville. C'est quoi ça? Ceci n'était pas totalement ma faute. Et tu le sais très bien. Tout ceci a été planifié depuis le début. Je suis la victime ici. Je n'arrive même pas à mettre le doigt dessus ce qui s'est passé. Je suis la victime ici. Quelqu'un a violé ta femme. Il s'est servi de ta femme. Et toi, tu es là au lieu de me consoler. Tu me traites comme si tu me traites mal dans ma propre maison. Je l'avais fait expressément de mon plein gré. Je suis juste tombé dans un piège qui m'a été tendu. Au lieu d'être là pour moi et me consoler, tu es là, tu me boudes. Tu me traites froidement, comme si c'était de ma faute. Je suis comme une étrangère ici. Je n'arrive plus à respirer. Je ne peux pas respirer. J'étouffe dans ma propre maison, Desmond. Je n'en peux plus. Je ne peux pas prétendre que tout va bien. Je ne peux plus supporter ça, Desmond. Je pars. Je quitte la maison, je ne peux pas rester et continuer dans ça. Je suis en train de perdre tous mes sens, je suis en train de perdre ma santé mentale. Il me faut respirer de l'air frais et de faire le vide dans ma tête. Je ne peux pas continuer ainsi. Je m'en vais, Desmond. Excuse-moi, je pars. Écoute, tout ira bien, hein? Oui, tu peux y arriver. Non, je ne peux pas. Je n'arrive pas à me concentrer. Je ne fais que penser à tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas maintenant. Je ne pense pas que je puisse supporter ça. Ceci est trop pour moi à supporter. Regarde-moi, tu en es capable. Tu surmonteras cela. Crois-moi, tu es une femme forte. Ne l'oublie pas. Ressaisis-toi. Hein? Mais avant tout, laisse-moi te trouver un truc à manger, ok? Donc, donne-moi quelques minutes, je reviens. Desmond, tu n'as pas besoin de te faire tout ce mal. Philippe, je regarde la femme
que j'ai aimé droit dans les yeux. Où est-elle maintenant? Hein? Où est-elle maintenant? Je ne la vois pas. Tu n'as pas besoin de faire cela. Laisse-moi. Maintenant. Maintenant. Notre maison. Notre belle maison. Et vite. Où est-elle? Hein? Grâce à elle. Belle maison et vite. Où est-elle, Philippe? Où? Aie confiance. Tu peux le faire. Fais-moi confiance. Je comprends tout ce par quoi tu traverses. Je comprends. Tu dois régler ça avec ta femme. Commencer sur des nouvelles bases. Reconstituer ton mariage. Tu dois régler ça. J'ai confiance. Je te connais tellement bien que je sais que tu vas régler ça. Je sais que tu aimes ta femme. S'il te plaît, arrange ça. Tu m'as effrayée. Es-tu enceinte? Faith? Faith, le déjeuner est prêt. Faith? Thank you.
Tu sais, la première fois que je t'ai vu, tu sais ce qui m'a attiré vers toi. Ta façon d'être réelle, ton intelligence, ta joie de vivre. Actuellement, tu es le contraire de l'homme que j'ai connu. Desmond, tu es devenu autre chose. Tu sais quoi? Tu peux rester ici, à continuer à te lamenter sur ton sort. Pensez-y. Madame, après les résultats sur les tests et les examens, nous n'avons trouvé aucune trace d'une infection quelconque, du paludisme, aucune bactérie dans son organisme. Je voudrais attirer votre attention. Vous devez faire très attention que votre stress n'affecte surtout pas le fœtus. Est-elle enceinte? Oui. Eh bien, nous avons aussi fait un test de grossesse pour elle. Et nous avons constaté qu'elle est à 5 semaines de grossesse. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je te repose la question. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Tu n'as pas assez blessé ma nièce? Sors de chez moi. Baby, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mon cœur. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour toi. Je sais ce que j'ai fait. Est vraiment mal. J'ai été stupide. S'il te plaît, excuse-moi. Je veux être encore ton mari, hein? C'est toi qui me rend heureux. S'il te plaît, reviens. Vraiment, vous les enfants d'aujourd'hui, vous agissez sans réfléchir. Comment peux-tu traiter aussi mal ta femme? La soumettre au stress. En plus, dans cette condition. Quelle condition? Ta femme est enceinte de 5 semaines. Le docteur l'a confirmé ce matin. Waouh. Oh, mon bébé, regarde, s'il te plaît. Attends. Mon cœur, s'il te plaît. Ma chérie, aide-moi. Accepte que je sois encore ton mari à nouveau. Permets-moi d'être le meilleur papa pour notre bébé. S'il te plaît. Mon cœur. Laisse-moi être le meilleur homme. Je t'en supplie, mon bébé. Tu sais, le secret de tout mariage, heureux, c'est le pardon. Je veux que tu écoutes ce que ton mari a te dit, d'accord? Pardonne-lui, d'accord?
Je t'aime. Nous allons célébrer tout cela. Je vais chercher un truc à manger. Et c'est ça, oncle, déjà. Your man.